On assiste à une accélération du marché des objets connectés, voire une explosion qui se profile dès cette année 2018. D'ici 2020, le chiffre d'affaires de 2017 va être multiplié par 3 pour atteindre 1,5 milliard d'euros, ce qui représente de véritables opportunités de marché qu'il ne faut pas sous-estimer. On distingue deux marchés en parallèle, celui du monde de la domotique en installation dite traditionnelle en KNX filaire. Nous sommes généralement sur du neuf et cela porte l'ensemble des usages principaux. L'autre marché appelé communément habitat connecté est un marché influencé par les objets connectés en mode radio, demandé à l'origine pour un usage unique, thermostat connecté, détecteur de fumée connecté ou encore caméra de surveillance. Ces dernières ont connu une hausse fulgurante en 2017, ce qui a d'ailleurs permis l'accélération du marché cette même année. Aujourd'hui, le marché de l'habitat connecté devient multi-usage et entraîne celui de la domotique traditionnelle avec un taux d'utilisation qui va tripler d'ici 2020. Au total, près de 30% des logements intégreront une solution connectée dans à peine 3 ans. Ce marché est boosté également par les nouvelles générations qui sont les investisseurs d'aujourd'hui et qui sont nés avec les objets connectés. À l'autre extrémité, on retrouve les plus anciens qui souhaitent le maintien à domicile et qui vont bénéficier de ces offres plus accessibles et plus simples de mise en œuvre et d'utilisation. Ce qu'il faut également souligner, c'est l'évolution du nombre de professionnels qui sont de plus en plus nombreux à identifier les besoins des utilisateurs et la banalisation des prix qui rendent ces solutions très accessibles. Quel que soit votre niveau actuel, si vous souhaitez vous plonger dans ce monde des objets connectés, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre agence Rexel habituelle qui saura vous accompagner sur ce marché porteur.